Sound good. Victor, what does this win do for you guys confidence-wise in terms of finishing games? You know, you guys didn't have very many close games in the preseason and then lost to Dallas in a close one. What does this do for your confidence? You know, it just proves we got it in us. Those tough moments, reactions. So, you know, I'm proud of what we did tonight, but it's now we can really see where we can get better because we haven't been really pretty for three quarters, you know. So, but a win is a win. But yeah, it shows that we got a lot of room to grow as a team. There's a lot of emotion you guys showed at the end of that game. Just what did it feel to get this win? It looked like it just meant a little bit more tonight. You know, I really, really love winning. It's what I love most in life. So it's of course it feels great. But coming back in the locker room, you know, Pop acknowledged that it was my first ever, you know, NBA win, and it just made me proud, you know, for a moment, proud of myself. And of course, it's just one win, and we got a whole lot more to come and a whole lot more tough games to come. So focus on the next one, but I'm still very proud. Keldon with the game, or Victor with the game on the line in the last minute, you asked for the ball and Keldon gave it to you. What did that mean to you to kind of have earned that trust from him? And then can you take us through that play where you did tie the game? You know, I would give the ball to him too. You know, it's just that confidence that we got towards one another with Keldon, but also with every one of my other teammates, you know. And it's, you know, that trust, of course it's gained, but it's also, you know, the relations we got as teammates on and off the court, and this is why I love this team. Is just everyone trusts each other, and we know we got a long way to go, but we stick together, and I'm sure we're gonna stick together even through tough times. So yeah, he knows I'm that guy, so, and I know he's that guy, so it makes sense that we pass the ball to each other. And that layup on Jabari? The one to tie the game? Yeah. Yeah. I mean, when it's time to get a bucket, you gotta get it done. Victor, you said it tonight. Not everything was perfect. At the end of the game, like 1 minute or so left, we saw Pop like yell at you, crazy. What was he saying? Because I forgot a play. I forgot one play that we added today, actually. So it's, you know, rookie mistake, but makes, you know, 100% legitimate for him to yell at me in that moment, and I apologize after the game. Victor, Pop said that y'all were very persistent, but through the first three or so quarters, things were pretty average. Was there a point in the fourth quarter that you can identify that was like, this is where the switch was flipped? You know, I think what we lacked for the first three quarters, even more, it's that energy, you know. Because at some point they were making shots, you know, they were being successful on every play, and we didn't put our head down, but our energy wasn't as, you know, as our hype wasn't as persistent, and I think it's the rotations by the end of the fourth quarter, you know. Bringing fresh energy on the court, who managed to keep us in the game and to eventually go to overtime. And it's just a matter of how well we'll adjust in the next games. Were you surprised the basket interference call got upheld? Yeah, you know, we can see on the video it's like half inch or like into the cylinder of the basket, but yeah, it's the rule, but it's how do you say, like, it's sad that the rule is like that, because it's obviously the ball isn't going back to the basket. Yeah, but FIBA it's almost cheating at some point. You're right. You know, the ball can go in the basket. If it touches the rim, you can grab it. You're off to Los Angeles now. Do you relish that? You know, being out there and first trip out there, I guess. Have you been to LA before? I've been to LA before once. Yeah, one of my favorite cities.
in the States, and historical city, you know, for many things and for basketball. So it's, yeah, I'm really looking forward to it. But for me, every week is going to be a crazy new opponent, you know. Thank you, guys. We'll start with some French. Victor, il y a un truc que j'ai pas compris ce soir, c'est la gestion de ton temps de jeu par Pop. Il y a une séquence qui m'a parlé, c'est il reste 5 minutes 25. Tu viens de mettre un dunk, tu repars, tu mets un compte sur Sengun. Bref, les Spurs reviennent à 2 points, il te sort. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer ce que toi tu as compris déjà, et est-ce que voilà, comment tu juges la gestion de ton temps de jeu pour l'instant? C'est, j'imagine que, étant donné qu'il m'a remis après, j'imagine qu'il voulait me garder frais peut-être. Et bon, jusqu'à de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, ça a marché, donc je lui fais confiance. Et moi, j'ai pas, mon match n'était pas parfait non plus, donc j'ai pas, loin d'être parfait, donc j'ai pas, disons que pour moi ça manque pas de sens, c'est sa décision, et puis je la remets pas en cause. Deuxième match, est-ce que vous pourriez nous partager votre ressenti? En anglais, vous avez parlé de fierté, qu'est-ce qui vous traverse? Ouais, de la fierté, bien sûr. C'est ça m'a même un peu surpris en revenant au vestiaire d'avoir un peu envie de célébrer et tout, mais je me suis dit que c'est qu'une victoire. Mais c'est quand même, voilà, quand même un jour dont je me souviendrai. Et oui, il y a de la fierté. Et dans ces moments-là, comment tu fais la part entre la partie émotion, un petit peu la fierté justement, et la partie où tu dis que ton match n'est pas parfait, et est-ce que tu vois déjà des axes d'amélioration par rapport à ce match en particulier? Ouais, bien sûr. Le bilan du match est positif, étant donné qu'on a gagné déjà. Mais disons que c'est les instants après le match, on peut célébrer chaque victoire, les petites comme les grandes. Les instants après le match, on peut célébrer, mais c'est soit soit le lendemain qu'on se remet au boulot, parce que c'est loin d'être parfait individuellement comme collectivement. Victor, félicitations pour ta victoire, j'imagine ça va faire du bien. Il y a un moment sur lequel je dois revenir, cette action sur Jabari Smith, là, ce double compte, main droite, main gauche, là, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est de l'instinct? C'est de la lecture? Comment on fait pour réaliser ce genre d'action? C'est, faut oser déjà. Tous les grands shot blockers, ils se font dunker dessus régulièrement, donc faut pas avoir peur de ça. Et en tout cas, moi, j'en ai pas peur. Et ouais, j'imagine que sur les actions comme ça, c'est un peu une notion de sacrifice pour sur le moment, pour l'équipe. Il y a pas d'autre choix. Mais il y a même des moments où je me suis dit que j'aurais dû aller au contre plusieurs fois sur Sengun. Mais comme on sait qu'à chaque fois, on croit qu'il va au lay-up, mais il fait une passe, c'est difficile de juger. Mais c'est se sacrifier pour l'équipe, tout simplement. Et faut pas réfléchir, c'est de l'instinct, faut y aller. Ouais. Tu as parlé un peu de manque d'énergie de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu t'appliquerais à toi pendant le match? Et on t'a vu te transformer au fur et à mesure du match. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu cette transformation? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physique? Ouais. Toute ma vie, j'ai préféré les fins de match parce que je me sens mieux. Mais c'est aussi un axe d'amélioration de pouvoir apporter à l'équipe dès le début pour moi. Et disons que il faut à tout prix pousser l'équipe vers le haut, quoi. Je peux pas me permettre de montrer un mauvais visage si je veux aider cette équipe à gagner. Victor, tu as été un peu maladroit au début de match, notamment à 3 points ce soir. Dans ces matchs-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et à quoi tu te raccroches pour essayer de trouver peut-être d'autres façons de faire? Oh, c'est simple, hein, c'est l'agressivité. Et tout le monde a des jours où ça rentre pas. Et donc les grands joueurs, c'est ceux qui savent s'adapter à la fois à l'adversaire. Et puis je trouvais des solutions à tout prix, quoi. Donc c'est ce que j'essaie de faire un maximum. Si ça va, le jour où ça va, tant mieux, mais il faut avoir d'autres armes. Alors, ça fait une semaine que tu promènes toute l'équipe, tous les journalistes français ici dans San Antonio.
on peut parler de bombardement d'amour envers vous. Enfin, il y a des choses très fortes, quasiment mystiques. Est-ce que vous les ressentez? Comment vous réagissez à tout ça, à cet amour qui se déverse sur vous? Bien sûr que je le ressens. Et ouais, c'est... Bon, ça fait toujours chaud au cœur. Je pense que, perso, j'aime avoir une relation avec les fans. Et parce que, voilà, c'est en grande partie grâce à eux ce qui nous arrive. Mais en même temps, ce qui leur arrive aussi, c'est en grande partie grâce à nous. Donc c'est un cercle vertueux comme ça. Et voilà, pour moi, c'est aussi un essentiel des grandes franchises, des grands clubs. Ils ont toujours une fanbase puissante. Et voilà, mais surtout celle des Spurs, c'est une des meilleures, enfin c'est la meilleure en NBA, et puis c'est, je veux dire, elle est très, comment dire, très positive envers ses joueurs depuis toujours. Victor, tu parlais de rêve un petit peu après Dallas, là mettre le panier un petit peu pour arracher la prolongation et gagner derrière pour ton premier match NBA, comment tu pourrais qualifier un petit peu cette victoire? Comment je le qualifierais, c'est... Bon, c'est victoire d'envie. On a bien vu que le momentum du match a changé dans le quatrième quart-temps. Et... Enfin voilà, au niveau collectif, on a totalement changé la donne, mais au niveau individuel, c'est... Voilà, je la voulais. Fort. Thanks, Merci.